Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire mes ongles au studio de Victoria. Enfin, je vais pas faire mes ongles, en fait, je vais tout simplement enlever mes ongles. Parce que j'ai du semi-permanent et j'ai plus envie de... Je veux plus rien sur mes ongles, en fait. Donc voilà. Du coup, on va pas tarder à se préparer. Et la nuit a été courte. Voilà, je pense que ça se voit sur ma tronche. mais voilà, je sais pas ce qu'elle a eu cette nuit. J'ai eu l'impression qu'elle a eu un fort besoin de succion. Mais qu'en fait, le problème, c'est que j'ai un bébé qui veut du succion, qui a besoin de succion. Mais j'ai un bébé qui ne veut pas de tétine. Voilà. Donc, l'histoire est compliquée. Je sais pas quoi faire. Donc là, ça va mieux, mais en tout cas, c'est... Du coup, là, ce matin, ça a l'air d'aller mieux, mais j'ai l'impression qu'elle a de plus en plus besoin de succion. Et je sais pas quoi faire, comme je vous l'ai dit, parce que la tétine, elle veut pas. J'ai l'impression que le plastique dans la bouche, c'est pas possible pour elle. Sauf que, elle prend pas non plus mon téton en tétine, parce qu'elle elle mange, elle le prend pas... Elle déglutit quoi quand elle a la bouche, donc c'est assez compliqué cette histoire. Comment tu vas faire si tu veux téter mais tu veux pas de tétine? Les filles, j'avais une petite question pour celles qui ont allaité ou qui allaitent en ce moment. Est-ce que vous avez une astuce? En gros, je me demande comment je peux faire si jamais je veux mettre des crop tops. Vous savez, des t-shirts, pas forcément des t-shirts d'allaitement ou des soutiens-gorge d'allaitement, et que j'ai envie de mettre des crop tops ou des hauts classiques. Est-ce que vous avez une astuce pour les montées de lait? Parce que du coup, je me dis, si je mets un haut banal, un haut normal, comment je fais avec mes montées de lait? Non mais il faut la voir. Tu la vois s'il te plaît? Comment elle dort? Elle pète. Mais c'est même pas qu'elle pète, c'est regarde comment elle dort. Un bébé Michelin quoi. Elle pète, je pète très.